Voilà, on commence avec un travers. Bon. Ça aurait sans doute suffi. Mais bon, on va quand même en regarder d'autres. Tiens, je vais m'accroupir pour voir. T'es une décale. Ah bah t'es là. Ah bah tant mieux. J'ai de la chance. Donc on revoit cette action avec le airdrop de Armored Ads 2. Un joueur adverse, il se baisse. Il sait où décaler. HS, sans problème. Hop, oh, un travers HS, une décale. Automatiquement, la deuxième décale avec l'info de son partenaire. Sans hésitant. Premier HS, je vais l'accepter. Décale parfaite. Une autre action, je tente un travers, hop, j'ai oublié de cliquer, je retente, allez, c'est bon. Donc, le même, il vise très bien, il a un très bon sens, je crois. Si, c'est là, donc, je tente un oscope, je tire dans les portes, je vu, je tire, ça semble normal, je tire dans la porte, ok, enfin, je tire un peu plus haut dans la porte, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. La réponse juste après. Voilà. Tentative. Hop, il monte la chaîne. Bah, je fais viser en haut. Alors, bah, normal, hein. On est emprisonné. On tente des travers de partout. Je vais me créer un scénario. Je me tire. Il est en train d'avancer. Je continue à tenter le tir. Voilà. Encore une fois, bah, enfin. Donc cette action avec le airdrop très intéressante. Soit il a un excellent son, même si le CT en question ne fait pas un seul bruit. À chaque fois, on voit que il est sur la personne, et puis il a du mal à faire le frag. Action dans le même genre, et bon, là il est plus efficace. Voilà, j'ai le travers. Alors celle-là, très intéressante. Voilà. Et oui, c'est pas évident qu'on voit les gens à travers les murs. Je préfère pré-shot derrière la porte au prix de tuer mon coéquipier. Voilà, merci, au revoir.